Et on se retrouve pour ce deuxième match des championnats de France de padel 2023. Deuxième match qui va opposer Adrien Maigret et Benjamin Tison. Un des favoris de ce tournoi, de ces championnats, face à Pierre Destombes à droite et Lilian Fourré à gauche. Alors, Adrien et Ben, ils sont classés numéro 1 pour Benjamin et 10e pour Adrien. Et ils sont 10 en poids d'équipe et exactement, c'est Dylan Guichard qui a doublé Adrien et ça a changé les têtes de série. Ils sont passés tête de série 3 et là, ça a tout changé dans le tableau. Face à eux, Pierre Destombes qui joue au TC Lens, numéro 52. Et Lilian Fourré. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas son classement. C'est la paire numéro 17. Voilà. Lilian Fourré, les numéros 37. Et Pierre Destombes, numéro 52. Et donc, tête de série 17 pour deux places. Ça leur change tout le tableau. Hein. Ils jouent une équipe tête de série alors qu'ils auraient été eux tête de série. Et salut Jérém, salut Yann. Alors Yann, j'ai entendu dire que tu serais dans l'équipe qui va commenter les finales. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ? Tu peux peut-être nous en dire plus sur... Alors salut Johan, comment ça va? Robin n'a pas commencé. Robin Poujoula n'a pas commencé, il joue contre Bastien Blanquet, Thomas Legge sur le terrain numéro 6. Et quoi qu'il arrive, je vous mets dans le chat tous les scores. Tous les scores dès que je les ai. Donc voilà, par exemple, là on va avoir... Et donc tu vas bien commenter. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, parce que voilà, nous expliquer qui va commenter, quelle sera l'équipe, etc. Est-ce que tu peux nous dire tout ça? Avec qui tu vas commenter et qui va être là aux commentaires, qui va être là pour faire les interviews. Voilà, si. Et bienvenue à toutes et à tous, ça y est, ça se réveille. Eh ben merci Alex, voilà. Ils jouent à Douai, oui c'est vrai qu'ils se sont un peu tous réunis à Douai. Et voilà, licencié au TC Lens, mais jouent pour Douai. Comme Lilian d'ailleurs, je crois. Lilian, lui, qui est licencié à Douai. Voilà, donc voilà pourquoi il joue à Douai. Douai qui est en National 1. National 1 qu'on retrouvera à Toulouse, à l'autre club de Toulouse. Ben voilà, Yann Oradou qui commentera donc la finale aux côtés d'Émilie Loi. L'année dernière, c'était Émilie Loi et Jean-Thomas Perroux. Et cette année, Yann Oradou, le grand Yann Oradou, qui va revenir, j'espère, très vite sur les pistes. Et Émilie Loi. Sur la piste 2, le premier set n'est pas encore fini, hein, Hugo. Ou alors, le superviseur n'a pas mis le score, mais je ne l'ai pas vu passer. Ça a l'air d'être un match plutôt serré pour Dardenne, Feissoufane. Qui font partie des favorites. Ah oui, Camille Pain, c'est vrai. Camille Pain. T'as raison, Yann.
alors qu'on arrive à fin de l'échauffement de ce 16e de finale. Je vous le rappelle, Adrien Maigret et Benjamin Tison qui ont son tête de série numéro 3 et qui ont hérité du tableau avec les champions de France. L'Aigle Blanquier, donc c'est une demi-finale théorique qu'on pourrait avoir demain après-midi. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes très nombreux aujourd'hui, 16e et 8e. Sortie interdite demain, carré demi, sortie autorisée. Et si vous êtes dans la région de Toulouse, n'hésitez pas à venir, hein, à venir voir les matchs. C'est totalement gratuit au Fort Padel. Ben qui va s'entraîner à son pire coup. À chaque fois, il nous le dit, les contre-smatch. Non, il ne pourra pas en taper. Et je vous le rappelle, hein, si vous voulez nous soutenir, c'est très facile. Vous allez sur le petit bouton like, le petit pouce en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous prend une seconde. Et nous, ça nous fait monter notre compteur. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Ça permet à des gens d'arriver sur ce live alors qu'ils voulaient voir du padel ou du sport sur YouTube. Donc vraiment, faites-le. On est 150, seulement 23 qui l'ont fait. Vous êtes les meilleurs, hein. Je sais que vous allez le faire. N'hésitez pas. C'est totalement gratuit et abonnez-vous hein, aussi. Abonnez-vous à Padel Mag TV, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Padel Magazine. On compte sur vous, merci beaucoup à ceux qui vont le faire. Yann, les finales seront à 11h dimanche, 11h la finale féminine, suivie de la finale masculine. Voilà, il n'y aura que deux matchs dimanche. Toutes les autres équipes éliminées n'auront pas de match de classement, donc il y aura deux équipes classées à la troisième place, ex aequo. Plus de points. Il n'y aura pas le dernier match de classement. Voilà. Ah, vous êtes les meilleurs. Déjà 10 personnes qui ont cliqué. Et Darden Feizou Fan qui viennent de gagner la première manche, mais 6 jeux à 4. Hein. Voilà, voilà, pour le score de la piste 2, pour celui qui le demandait tout à l'heure. Ah, Alex, Man et Julien, c'est un peu mes chouchous du tableau. Moi, je les vois arriver champion de France. Hein. Non, bien sûr, alors il y a beaucoup de joueurs que j'adore. Hein. Par exemple, en premier lieu, Benjamin Tison. Hein. Benjamin Tison, il arrive, il vient nous dire comment ça va les gars, il vient nous donner de ses nouvelles. C'est vraiment l'ambassadeur numéro 1 du padel en France. Et ouais, Man et Jus, je les vois loin. Je les vois très très loin. Je les vois très 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 loin. Je trouve que le tableau est pas mal pour eux. Eux qui sont pas tête de série. Je trouve que le tableau est vraiment très très bon pour eux. Je les vois en demi. Je les vois en demi contre Guichard Scatena. Voilà. Je les vois aller en demi. On verra. Voilà ce que je vois. Eh ben Nico, comment ça va? Merci à tous d'être là. Et ça va partir avec au service Pierre Destombes. Messieurs, dames, premier. 16e de finale masculin de ces championnats de France 2023. Ah, le compteur qui monte. Hein. On a Benjamin Tison, Adrien Maigret, quasiment 200. Et bien évidemment, Lilian et Pierre qui ont aussi énormément de supporters. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien contre-vie. Ouh, il s'est trompé un peu. Dommage, la Pierre il s'est trompé, il n'a pas vu la bonne trajectoire. Il regarde un peu sur le côté. Adrien, et ce fameux coup droit. Il va en manquer là, non? Ah, Pierre, deux fautes, attention. Il met tout de suite son équipe en danger, 15-30. Elle est bonne. Là, il va lâcher. C'est pas suffisant. Et dommage. Lilian qui échappe cette volée. Ah, bien sûr, Yann. Les conditions qui les avantagent énormément, qui avantagent aussi un Scatena Guichard. Qui avantage les gros frappeurs. Qui s'entraînent en plus dans ces conditions hein, en Espagne. Des toits plutôt bas.
Alors que j'ai mon premier massage du week-end. J'espère que c'est une jolie blonde, mais non. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour le joueur français. Écoutez, encore une balle de break hein, à sauver. Et pareil, hein, je pense que c'est pas un cadeau de jouer Lilian Fourré et Pierre Détombe dans ces conditions. Et ils viennent de gâcher leurs deux premières balles de break, Adrien et Benjamin. Même si là, je pense quand même qu'il y a un écart entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'elle est belle cette volée de Pierre. Benjamin qui nous a dit qu'il était à 100%. Une petite douleur, mais qui ne le gêne pas du tout. Donc voilà. On sait qu'il a été pas mal embêté cette année. Blessure au mollet, déchirure au mollet. La blessure des champions. Oula, alors ça, cette balle. Non, on peut pas sortir, mais... Ils s'en sortent très bien. Les deux joueurs du TC Douai. Qui mènent 1 à 0 dans ce 16e de finale. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, les 16e. Ce matin, cet après-midi, les 8e. Donc là, les joueurs qui sont dans des bonnes conditions. Hein. Deux matchs par jour. On oublie le format 3 matchs d'épée 2000. 16e, 8e. Voilà, le superviseur qui leur dit attention à la balle. C'est demain, quart de finale le matin, demi-finale l'après-midi. Et Xavier qui nous dit merci pour la box. Ça veut dire donc tu l'as reçu, j'allais t'envoyer un message. Greenwiz qui te l'a envoyé, la box, le vainqueur de la box du P2000 d'il y a 15 jours. Je vais essayer de vous avoir des lois. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous faire gagner quelques petits lots. Est-ce qu'on pourra avoir un petit welcome pack avec le t-shirt des championnats de France? Ça serait le top. On va voir. Comptez sur moi pour poncer la FFT qui est de plus en plus généreuse et qui a offert d'ailleurs ses lots lors du P2000 il y a 15 jours, remporté par Blanquilec chez les messieurs et Toulis-Oubrier chez les dames. Toulis-Oubrier, on n'en a pas parlé, hein, mais qui sont dans le tableau de la Muerte chez les filles en bas. C'est très très dur, elles vont jouer théoriquement au deuxième tour contre Cyrex de Trivière qui était en demi-finale du P2000. Et les vainqueurs joueront en quart, Alix Colombon, Léa Godalier, merci beaucoup. Merci beaucoup à celui qui a fait le tirage au sort, j'étais pas là, je sais pas qui a tiré, mais là je peux vous dire que... Elles doivent les maudire, parce que les championnats de France, c'est un P3000. Ça vaut énormément de points et là, elle pourrait perdre en 8e ou en quart ces très grosses équipes et donc marquer beaucoup moins de points que les autres. Alors Yann qui nous dit Man et Jus en gros premier tour, je trouve. Au niveau des noms, je trouve, mais après, par rapport à leur dernier résultat, Ferrandez Lopez, c'est quand même. Ils ont perdu au premier tour du P2000. C'est un peu moins ça. Après, voilà, ce sont deux très très gros joueurs. Justin Lopez qui a été numéro 1 français et grand représentant de la Team BA, bien évidemment. Mais oui, voilà. Je pense que Julien et Man pourraient arriver en demi-finale, voire plus loin. Hein. C'est des joueurs qu'on n'a pas vus sur le circuit français depuis quelques temps. Et sur ce très bon match de Benjamin Tison, on se retrouve à un partout. Les conditions ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pelouse, j'allais dire, gazon parfait. Ça manque un peu de hauteur, ça sera sortie interdite aujourd'hui, 16e et 8e, et par contre sortie autorisée, quart, demi et finale. Les finales dimanche, 11h, les filles. Suivi des garçons. Et il n'y aura que ces deux matchs. Donc si vous voulez venir à Toulouse voir la finale au Fort Paddle, n'hésitez pas. L'entrée est gratuite. Il va falloir qu'ils fassent des meilleurs débuts de jeu, hein, Pierre et Lilian, parce que sinon, ils vont être en grosse difficulté. Voilà, encore 0-30. Il y a beaucoup de monde qui voit Julien et Manu, la surprise. Hein, ce sont deux joueurs très suivis. Qui s'entraînent en Espagne et qui ont beaucoup progressé. Ouais, les conditions sont très très bonnes pour eux. 0-40, 3 balles de break.
Est-ce qu'on a d'autres résultats à vous mettre ? Faut pas que je les oublie. Voilà, qualification de Laura Clerg et Fiona Ligi. 6-0, 6-2. Ouais, bien joué ça. Et qualification de Casali de Lima, kick. Aussi. Ah, il doit la laisser passer, celle-là, il l'a devant. Break. Break pour Adrien Maigret et Benjamin Tison, 2-1. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette partie. Je suis totalement d'accord. Yann, Pierre fait un début de match un peu difficile. Très très bon lob, bonne prise de filet. Oh là, il s'est... Ouais, voilà Lilian qui le dit, mais là je sais pas ce qu'il fait. Il va aller aider son pote, il faut le décharger. Et, malheureusement, il fait la faute. Et tout de suite Adrien et Ben qui en profitent pour repasser devant. Pas le droit à l'erreur hein, avec deux joueurs de ce niveau-là. Quel est bien enroulé. Mesdames et messieurs, Benjamin Tison. Numéro 1 français. Champion de France par équipe avec la All-In l'année dernière. Et vice-champion de France par paire avec Johan Bergeron. Bravo, bien enroulé. Break confirmé. Pour l'instant, aucun souci sur leur jeu de service. Pour la tête de série numéro 3 de ce tableau, Adrien Maigret, Benjamin Tison, qui sont plutôt bien lancés. Le coach de légende arrive, Christophe Saint-Martin, double vainqueur du P2000, coach des champions de France. Et Olivier, pourquoi elle te perturbe cette tenue de raquette ? C'est sa gestuelle hein, qui est un peu perturbante. D'ailleurs, il le dit en Espagne, les joueurs... Non, là, il s'est précipité. C'est dommage. Il n'arrive pas à trouver le bon rythme. Bien sûr, c'est très très dur, hein. Il faut qu'ils arrivent à jouer très fort. Salut Thomas, ça sort plus qu'à Besançon, non. Aucun cours au monde ne sort plus qu'à Besançon, le TPGB. N'hésitez pas à aller y faire un tour, très bon club. Il y a de nombreuses pistes et de plus en plus. Jérémy, tu as raison. Voilà, c'est Ben, il nous le disait hein, quand il est arrivé en Espagne, les joueurs... Il se foutait un peu de sa technique, mais comme il disait, au bout de 4-5 fois où il les avait croqués avec son revers à deux mains, les mecs, ils arrêtaient de le chambrer. Qu'est-ce que c'est efficace. C'est ce qui est bien, moi, je trouve, au padel à l'extérieur. Ce qui est bien au padel, c'est que voilà, avec une technique à lui, Benjamin, il est 50e mondial. 50e mondial. On parle d'un sport où
qui a peut-être 10 millions de pratiquants, où il y a des joueurs qui jouent depuis qu'ils sont petits. Benjamin, il a attaqué le padel à 30 ans ou à 28 ans. Donc imaginez le niveau de ce joueur pour arriver à ce niveau-là en ayant fait si peu de padel dans sa vie. Elle s'échappe, cette balle. J'ai un peu surpris, Ben. C'est exactement ça, Olivier. Mais le padel, c'est une poêle. Hein. Et je me rappelle d'un autre joueur, hein, qui joue sur le circuit, Zoua Zoua. Je ne sais plus son prénom, qu'on avait vu au FIP Gold de Perpignan. Je me rappelle avoir dit à Henri, regarde la broche qu'il a. Et ce joueur, il est top 150 mondial. Et il fait des résultats de dingue. Et Lisa, bien sûr, que j'ai commencé à travailler dans mon nouveau club. Et je leur fais un petit coucou, Tennis Padel, Cap d'Agde et surtout la French Touch Academy, qui aujourd'hui inaugure son internat. En attendant, ça fait 4-1, double break. Ils sont vraiment très bien rentrés dans leur match. Coaché par qui ? Johan Bergeron, l'ancien partenaire de Benjamin. Donc oui, petit aparté, voilà, j'ai commencé à travailler dans mon nouveau club au Cap d'Agde, dans le centre international de tennis, l'ancien centre Pierre Barthès. Magnifique centre, si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message. Et on boit un verre sur la terrasse devant la piscine, avec grand plaisir. Et bien sûr, Johan, mon ancien club, le H-Park, qui est devenu Urban Padel à Clermont, centre de 8 terrains de padel, messieurs, dames. Et Augustin, je l'ai dit tout à l'heure, tu devais pas être là, mais Maxime Forcin est là. Alors avec un gros bandage sur le bras, donc je sais pas ce qu'il avait, Maxime Forcin, comme blessure, on lui demandera. Mais voilà, il est là, il est de retour, le Max, ça fait plaisir de le voir sur ce tournoi. Elisa, oui, j'ai deux bons jeunes que j'entraîne à l'année, à l'académie. Et après, on fait des stages pour les adultes toute l'année. Si vous voulez venir faire un petit week-end, 2-3 jours au soleil de la Méditerranée, n'hésitez pas à me contacter sur mon Insta, Mario Cordero Padel. Vous m'envoyez un message ici, vous m'envoyez un message où vous voulez. Et si vous voulez, voilà, soutenir à la fois Padel Magazine et à la fois moi-même, abonnez-vous à mon Instagram, je vous le mets dans le chat pour la première fois. Je suis bientôt à 1500. Mario Cordero tiré du bas Padel, ça soutient énormément et ça m'aide aussi pour être là, pour que la Fédé me confie ses commentaires. Ah, il l'a pas eu, c'est dommage. 3 balles de 5-1, ça défile. 15 minutes de jeu. Et déjà, 3 balles de 5-1 pour les joueurs parisiens. Un qui joue pour la All-In et l'autre qui joue pour Big Padel, Bordeaux. Va la voir celle-là. Non. Je maigrais Tison, 5 jeux à 1. Et salut Anthony. Mon équipe s'est qualifiée, mais je ne sais pas si je vais pouvoir être présent, malheureusement. Je vais faire le maximum pour aller à la Nationale 2. Adrien, il m'a l'air dans une forme olympique. Regardez ça. Non, il la rate, ça, par contre. Ouais, la volée de revers d'Adrien Maigret, il s'excuse. Le vrai match de ce premier tour n'a pas commencé. Qualification de Martine Rangebar. Sur la piste numéro 4, bien évidemment, Lucho, Lec Blanquet, Pujola Parensa n'a pas commencé. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas là depuis le début, je vous mets
tous les scores des 7 par 7 et à la fin des matchs. Comme si vous étiez ici, comme si vous étiez sur le WhatsApp des superviseurs. Dès qu'il y a un message, je vous l'envoie. Voilà, comme ça, vous pouvez suivre le résultat de vos poulains. Et si vous... Quelle est belle celle-là. Ouais, Adrien, elle n'arrive pas à la remonter. 45, allez, pour gagner un jeu. Sur un Evives vont être diffusés. Si vous voulez tout, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Victor. Vous allez sur le lien épinglé tout en haut que je vous ai mis sur padelmagazine.fr. Vous avez tous les résultats qui vont être mis à jour. Dès qu'on a fini un tour, on vous met tout, etc. Avec les lives, la piste 2 aussi qui est diffusée. Et vous aurez tous les résultats. Et le planning surtout. Sur un Evives sont diffusés. 4e match sur cette piste. Ne ratez ça pour rien au monde. Il y aura aussi un match féminin juste après. Le match juste après, que je vous dise pas de bêtises, c'est le Venez Rondeau contre l'Alan Ménien. Carantay reviennent, ils sont à 2 points du 7. Vives Serin, Fernandez Lopez. 4e rotation. Balle de 7, ça va très vite. Très vite, trop vite pour l'instant. Pour Lilian et Pierre, qui sont deux très bons joueurs. Hein. Tête de série numéro... Enfin, pas tête de série, mais équipe numéro 17. Flo, non. Allez, balle de 5-2. Ah, dommage. Dommage. Lilian qui échappe cette balle. Lilian qui est très très tendu. Et balle de 7. Première balle de 7. Un poil fort, Adrien. Balle de 7 effacée. Quentin, tu as la piste numéro 2 aussi. Piste numéro 2. Ouais, il me semblait faute cette balle au service. Oh, Adri qui s'était arrêté. Eh oui, lob gagnant, ça c'est rare. Regardez-le, il fait un petit signe. Lob gagnant, Adri qui pensait que Ben était dans son dos. Donc vous avez la piste 2 aussi. Allez, 5-2, ça va leur faire du bien ça, Lilian et Pierre. Pas forcément pour cette première manche, hein, parce qu'elle est très très mal engagée. Mais ça va leur faire du bien pour la partie. Ils reviennent à 5-2, mais il y a quand même un double break. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que des gens sont allés s'abonner à mon Instagram? C'est la question importante du jour. Bien évidemment, merci à Guillaume, merci à Seb, merci à TenixBoy. 1472, si j'arrive à 1500, il y aura un petit cadeau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, hein, je le dis à chaque fois, mais quand vous voyez des joueurs et que vous aimez bien, abonnez-vous à leur Insta, abonnez-vous à leurs réseaux sociaux, suivez-les. Pourquoi ? Parce que eux, quand ils vont aller négocier des contrats, eh ben, s'ils ont 2000, 3000 ou 10 000 followers, c'est vraiment, ça leur change totalement la somme qu'ils peuvent négocier. Et pour des joueurs de padel qui ont beaucoup de frais et qui, voilà, l'année est compliquée à financer, ben,
ça peut tout changer. Donc voilà, vraiment, si vous aimez ces joueurs, allez les suivre. Alors Hugo, oui, j'ai vu que tu avais posé la question, excuse-moi, je n'ai pas répondu tout à l'heure. Oui, la National 2, c'est un P2000 à 8 équipes. Le grand Julien Prat qui arrive, incroyable. Il y a vraiment beaucoup de monde ce matin, ça fait plaisir. Hein. C'est vraiment génial de vous avoir tous. Allez, Benjamin Tison, champion de France une fois et vice-champion de France l'année dernière, qui est au service pour aller valider ce premier set. Corentin, je vous mets dans le live tous les scores de tous les matchs dès que les sets sont terminés. Et pour l'instant, je n'ai pas vu passer Fabre Dupont, Brimboeuf, qui joue une grosse tête de série, me semble-t-il. Je ne me rappelle plus. Ouais, bah merci Thibaut. Oh, elle touche la poutre là où il n'a pas de chance, Lilian. Merci Thibaut, merci à tous pour vos messages. N'oubliez pas un petit like sous la vidéo quand on arrive. Le bon réflexe sur Padel Mag, ça aide énormément la chaîne. Ça permet à des gens qui connaissent peut-être même pas le padel de passer, se dire, bah écoutez, c'est pas mal ce sport. Ça fait grossir notre sport. 40-0, 3 balles de 7. Voilà, Adrien, quand il est là, c'est rare qu'on revoie la balle. Jeu et première manche. Maigret, Tison. Et salut Guillaume Bourgeois. On se retrouve dans quelques petites secondes. Je vais vous mettre d'abord les stats de ce match. Aucune balle de break. 33 points à 18. Gros écart pour l'instant. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette rencontre et la suite de ces championnats de France. Restez avec nous. À tout de suite. Bien sûr que si, Claude, on a du son. Bien sûr que si, je suis là, ne t'inquiète pas. Petite pause à la fin de ce set. Deuxième manche. Au service, Pierre Destombes. Benjamin, pas de problème pour accélérer. Elle est bonne. Il l'a annoncé, Ben. Hein. Petite douceur, regardez Lilian qui montre son partenaire. Donc pour les scores des autres matchs, je vous le mets dès la fin des sets. Mais Bayer Maki, je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà même commencé leur rencontre. Et Flo qui va nous le demander 200 fois, ne t'inquiète pas. Dès que j'ai des scores, je vous les mets. Donc si tu ne vois, laisse le live tourner chez toi. Et tu verras tous les scores à la fin des sets et des matchs de tous les terrains. Tous les terrains, pas un terrain, pas deux terrains, pas huit, pas cinq terrains, pas six terrains, huit terrains. Et en tout cas, quand on voit le nombre que vous êtes sur les lives, on se dit que le vendredi en France, c'est déjà le week-end. Ah, il faut jouer sur Adri là. Qui était avancé, collé. Oh là là, monstrueux. Oh là, par contre là, il ne faut pas lui donner cette balle. Mais quand il était collé au filet, il fallait lui jouer dessus. Ils ont joué en décalé malheureusement. 15-30, attention. Il faut. Hop. 15-30, peut-être même 15-40. J'ai raté un point.
Aïe, 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 aïe. Non, c'était 30-40. C'était 30A, pardon, 30-40. Exactement, 41-8, mais pas 15. Je peux vous donner les scores des matchs aussi à l'extérieur. Il y a trois terrains ici à l'extérieur. Je peux aller demander les scores aux gens. Peut-être que ça vous intéressera un peu moins. Oh là là, ça c'est énorme cette erreur. Énorme erreur de Pierre qui donne le break d'entrée. 6-2-1-0. Vous allez sur le lien épinglé, clac, vous cliquez. Vous avez tout le planning, les scores, tout tac. Moi, j'ai le WhatsApp des superviseurs qui vous nous met tous les scores. Vous êtes au top. Vous laissez tourner le live toute la journée. Vous regardez de temps en temps avec les scores qui sont mis de vos favoris. Et est-ce qu'on n'est pas bien sur Padel Magazine? Incroyable. Mais par contre, je pense que les superviseurs sont partis en pause. Pause déjeuner, pause café. Salut Timothée. Parce que là, j'ai pas eu de score depuis un moment. Ou alors tous les matchs sont... Après, il y a eu des rotations, il y a des échauffements en cours. Mais il y a des matchs féminins qui sont pas finis. On n'a pas les résultats. On va les avoir, ne vous inquiétez pas. S'il le faut, j'irai faire le tour de tout le stade pour vous. Voilà, c'est annoncé. Je m'y engage. On ne ratera rien de... C'est championnat de France, Adrien Maigret au service. Son équipe mène 6-2-1-0. Alors Quentin pour ce commentaire, c'est le premier. Mais voilà, 5 minutes d'exclusion. C'est mérité. A tout à l'heure Quentin, on se retrouve dans 4 minutes 45. Quel volet d'Adrien là, ça va être boum. Ouh, il a failli la bloquer, Lilian. Il est resté en bonhomme, collé. Pouah, quel volet de Ben encore. Ça fait 2-0. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Mais non, est-ce qu'il... Eh ben peut-être vous l'avez entendu au micro. Alors normalement notre matériel fait que vous n'entendez pas, donc je dis n'importe quoi. Borona Fontenay, Gourtopin, c'est lancé. Piste numéro 2, je crois d'ailleurs, ou 3. Piste 2, donc si vous voulez voir Borona Fontenay, c'est sur l'autre live. La piste 2 qui est en direct. Eh ben oui, Deshden, il a l'oreille fine. Il a mis le micro à fond. Oh, Adri qui attrape ça au passage avec sa main. Incroyable, regardez ce qu'il fait derrière. Il n'a pas fini le point. Est-ce qu'il va taper? Là, ça serait vraiment... Ah, oh, c'est monstrueux. Monstrueux ce point d'Adrien Maigret. Exactement, Deshden. Darden, Feissoufan ont gagné. Parce que forcément... Mais par contre... Regardez le score hein, que je vais vous mettre instantanément. Gros match, hein, 6-4-6-4 au premier tour. Entrée en matière timide hein, pour les dernières troisièmes du P2000. Ouais, Adri, il est en très grande forme. Il n'est pas venu trier les lentilles, comme on dit. 40-15, 15-42, balle de double break, c'est une... Leçon pour l'instant. Oh, Adri qui touche la grille encore. 6-2-3-0. Et allez, on va faire bien sûr. Regardez, on est 358 gemmes seulement. Si on n'a pas un peu plus de gemmes, on va regarder le match comme ça. Voilà, c'est parti. Allez, on clique sur le petit like dessous, le petit pouce. C'est hyper important. On va être sur ce lien toute la journée. On a besoin de vous. Allez, cliquez-moi sur ce petit bouton like. Je veux le voir monter 58 alors qu'on est 300. Est-ce que vous n'aimez pas Padel Magazine? Est-ce que les Padel Magos ne sont pas avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a 290 utilisateurs en Chine qui ont été payés par Franck Binisti? Ou est-ce qu'on a des vrais supporters avec nous? Exactement, hein, Pierre, il l'a gagné tout seul ce jeu. Allez, 65, ça monte.
Vous allez juste en dessous du lake, vous cliquez sur le petit bouton 72, la caméra qui va redevenir normale. Si encore 28 personnes font un petit clic, si vous êtes sur iPhone ou sur Android, vous l'avez aussi juste dessous. La légende Yannick Morel qui passe pleine caméra, bien sûr, parce qu'il a envie d'être vu. On est à 80. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes vraiment les meilleurs. Et si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, abonnez-vous hein, à Paddle Mag TV, la chaîne des lives de Paddle Magazine. 84, ouais, on va pas la voir la caméra. On va pas la voir. Ouais, Thomas, il est trop grand, il passe, on voit plus rien. Le match est... Et on a des gens à Singapour, mon Francky. Damien qui nous dit qu'il est à Singapour. Et ben, je sais pas quelle heure il est avec le décalage. Tu dois être en fin de journée, à mon avis. Oula, ça va être boum. Encore bloqué, non. On restera à 90. Mais merci à tous. Les deux sont là. 40-0, ça défile, ça défile. Hein. Voilà, tranquille. Et écoute, tu vas pouvoir en profiter, ça va être plus dur cet après-midi. Les huitièmes de finale qui vont se jouer vers 18h, ça te fera un peu tard. Bien joué. Il a un peu boisé, il s'en excuse, mais bien joué, bien attaqué. Florent Sergent, le grand est là, Enzo est là, comment ça va les gars? Bienvenue à tous, il nous manque 6 likes pour arriver au 100. J'aime tellement les chiffres ronds. Qui seront les 6 derniers? Et Damien, malheureusement non, Benjamin Gruet est blessé. Ce qui entraîne le forfait de la paire. Gruet, Reichmann, on ne verra pas. On ne verra pas Philemon Reichmann sur ces championnats de France. Il est là, hein. Il est venu encourager ses potes, mais il ne joue pas. Ça doit être tellement dur pour un joueur... Alors Clément, ils vont commencer dans pas longtemps. Voilà. Là, la première rotation, c'était que les matchs de filles. Oh, Adri, incroyable. Ah, est-ce qu'il va la sortir derrière pour faire l'enchaînement parfait? Non. Voilà, il la prend. Pouah, et il envoie une fusée, un missile sur Pierre Destombes. Donc là, voilà, deuxième rotation, c'est tous les hommes. Voilà. Fabien, on va voir. Hein. On va voir, on va voir. En tout cas, ils sont en grande forme. Ça me rassure pour Ben qui, on sait, était un peu blessé. Adrien, en tout cas, a l'air affûté comme une lame dans la lignée de son Roland-Garros où malheureusement, il s'est incliné 7-6 au dernier avec Jérôme Inzerio qui lui aussi est blessé, ce qui a entraîné le forfait. Wow, incroyable, incroyable. Adrien en mode All-Star ce matin. Et encore 0-30, écoute le 6-0 Fabien, pourrait tomber. Hein. On n'a pas fait le jeu des pronos d'ailleurs, on le fera à partir de cet après-midi, jeu des pronos. Venez gagner des lots avec nous et vous amuser en jouant gratuitement sur des pronos. Allez dehors, 0-40, 3 balles de triple break, le fameux triple break. Adrien a l'air chaud, c'est pas un air. Hein. Aïe, 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 mauvaise nouvelle pour tous les Clermontois. Robin Poujoula vient de perdre le premier set. 6 jeux à 1 face à Blanc-Élègue, regardez, je vous l'ai mis. Aïe, 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 grosse surprise. Pour tous les amis de Robin, pour tout l'ATSCAP, pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et pour l'armée, puisqu'il est représentant, Adrien Tapia ce matin. Pas loin, hein. Pas loin. 5-0. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite et peut-être la fin de ce match. À tout de suite.
99 j'aime. Personne ne va cliquer sur ce bouton pour m'enlever cette ce poids. Garcia Moura, Wildcard qui viennent de gagner 6-0 leur premier set. Théo, si on ne te le met pas dans le live, c'est qu'on ne l'a pas. Merci au centième. Chiffre rond, toujours bon. Wow, alors que Dupont est blessé pendant 5 semaines apparemment. Eh bien, dites donc, ça va être dur hein, pour la France. Le quart de finale, il pourrait peut-être revenir pour la demi. Adri qui envoie encore une volée laser défendue, celle-là par Lilian, et là par contre, badaboum. C'est le show Adrien Maigret hein, ce matin. Impressionnant. Il aime les championnats de France, hein. Il aime. Lilian un peu énervé. On est à 2 points du match. Trois balles de match, 38 minutes de jeu et peut-être déjà le deuxième match terminé sur cette piste. C'est fait, jeu, set et match. Adrien Maigret, Benjamin Tison qui s'impose sur le score sans appel de 6-2, 6-0. Entrée en matière très très costaud de notre tête de série numéro 3. Les stats de cette rencontre, aucune balle de break à sauver. 57 points à 23, vraiment le score qui est totalement mérité. Nous, on va se retrouver pour le prochain match féminin dans quelques petites secondes. Restez avec moi. Ah, tout de suite, on va faire un jeu des pronos. Allez, on va faire un jeu des pronos sur le match suivant. À tout de suite dans quelques petites secondes.